Ouragan Lane, Hawaï en alerte, des dégâts attendus. Ouragan Lane, l'ouragan Lane s'est hissé à la catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. C'est accompagné de vents violents pouvant atteindre les 260 km/h que l'ouragan se dirige vers l'archipel d'Hawaï. Mis à jour le 22 août 2018 à 12h43, une partie de l'archipel américain d'Hawaï a été placée en alerte ce mardi soir après le placement en catégorie 5 de l'ouragan Lane. Des pluies torrentielles et des vents pouvant atteindre les 260 km/h sont attendus dès ce mercredi soir. Europe 1 indique que selon le Centre national chargé de la surveillance des ouragans à Honolulu, l'œil du cyclone devrait se situer très près ou même passer au-dessus des principales îles d'Hawaï entre jeudi et samedi. Et toujours selon le Centre national d'Honolulu, l'ouragan Lane est susceptible d'entraîner des inondations ainsi que des glissements de terrain. Rappelons que la catégorie 5 correspond à la catégorie la plus élevée qu'un ouragan puisse atteindre sur l'échelle de Saffir-Simpson. Ainsi, les cyclones de cette catégorie peuvent endommager des maisons, des bâtiments, détruire et même arracher des toits. À noter également que l'île a déjà été la cible d'un ouragan ce mois-ci. En effet, l'ouragan Hector, qui avait atteint la catégorie 4, est finalement passé au large de l'archipel, provoquant cependant de grosses vagues sur une partie des côtes, rappelle Europe 1. L'Oregon. C'est ainsi la plus forte que j'ai vu si près de pic.twitter.com/ttlz9qq8 Etienne Capitien @ecmeteo 22 août 2018